Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir ici à Borgo pour la deuxième demi-finale de ce championnat de France U17. Et oui, l'ACA reçoit l'Olympique Lyonnais. Alors reçoit, on est à Borgo, on n'est pas complètement à Ajaccio, mais on est en terre corse, dans ce magnifique complexe de Paul Nathalie. Donc l'Olympique Lyonnais, les petits Guns qui vont se déplacer chez les Oursons. Ça va être un match énorme, bien évidemment. On s'attend à une rencontre splendide. Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, hein, la première demi-finale a déjà eu lieu, puisque le Paris Saint-Germain a donc perdu contre Toulouse. Vous voyez, 4-1. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la chaîne de la FFF TV, bien sûr. Hein, le replay est disponible. Et puis, l'ACA donc a battu Strasbourg 2-0 pour se qualifier. Et l'Olympique Lyonnais, elle, a dû vaincre Angers au tir au but, 4-0. On va vous montrer justement les résumés de ces deux matchs, parce que je peux vous dire qu'il s'est passé plein de choses. Tout ça toujours à chaque fois en direct, hein, bien évidemment, sur la chaîne de la Fédération Française de Foot. Côté Ajaccio, puisque là on vous remontre Ajaccio contre Strasbourg. Il y a vu ce magnifique pénalty arrêté par Timo Vieille en début de match. Les Ajacciens qui tout doucement mettaient leurs pattes sur cette rencontre. Et on arrivait vers la 70e à peu près, où l'arbitre sifflait un pénalty cette fois-ci pour les Corses. Et c'était Owen Martinez qui ouvrait donc le score et permettait aux Ajacciens d'avoir un vrai espoir de qualification. Et puis en fin de match, magnifique tête de Lucas Luku qui validait complètement cette qualification pour les demi-finales de la CA à la 89e. Strasbourg était donc éliminé. Et sur l'autre match, bien sûr, la joie des Ajacciens méritée, on reviendra sur leur parcours monstrueux. Là, c'est un des plus petits clubs, hein, forcément, parmi les clubs professionnels sur cette fin de championnat U17. Et puis donc l'autre match, bien sûr, ce match complètement fou, ce match dantesque entre Lyon qui recevait donc le SCO d'Angers à Lyon, à la Olel Academy. Pénalty, alors c'est des histoires de pénalty à chaque fois, hein, au bout de 5 minutes de jeu. Et c'est Romain Perret qui ouvrait le score pour Lyon, d'une magnifique Panenka, s'il vous plaît, messieurs, dames. Tranquillement, serein pour Romain. Et puis allez, la folie est tout doucement s'installer, hein, dans ce match. Les Angevins sur cette grossière erreur ici de Matteo Pereira, égalisé par Jean-Matteo Baeoya à la 26e, ça faisait un partout. Ils allaient même prendre l'avantage juste derrière sur corner. But de Moussa Grange qui était monté plus haut que tout le monde à la 31e. Les Lyonnais chez eux qui devaient tout de suite réagir. Et cette réaction intervenait par l'intermédiaire du jeune Enzo Molebe juste avant la mi-temps, de partout. Et la folie n'allait pas s'arrêter là, parce que la deuxième mi-temps allait être tout aussi belle. Petit coup de franc rater, s'il vous plaît, de Monsieur Pavfoureur à la 52e, qui donnait l'avantage à Lyon. On pensait que le plus dur était fait, que les Rodaniens avaient fait le boulot. Eh bien, regardez cette tête lobée, 68e. Sidiki Chérif remettait les pendules à l'heure, 3-3. Et même encore mieux que ça pour Angers, puisqu'ils allaient prendre l'avantage dans le dernier quart d'heure. La petite tête très bien placée de Mathis Oudaye. 4-3. On commence à avoir des crampes, hein, vous l'avez vu, hein, du côté d'Angers. Et puis, quelques minutes après, le premier buteur de ce match, Romain Perret, permettait à Lyon de revenir à 4-4. Et on allait partir sur une séance de tirs au but. Et Matteo Pereira qui avait fait le boulot du côté du premier tireur. Führer le manquait. Scheck réussissait le sien, ainsi que Perret et Gueye. Et Shaib qualifiait donc Lyon pour les demi-finales
ici à Borgo. Donc pour ce deuxième match, on rappelle que les quatre demi-finales sont en direct sur la FFF TV avec toutes les équipes de Multicam bien évidemment. Et les joueurs donc vont rentrer sur le terrain. On va bien évidemment découvrir ensemble la composition des deux équipes. Ce match va être arbitré par Monsieur Robin Ingrand. L'arbitre de ce match, un beau soleil tombant sur Borgo, assisté de Yassir Twil et Samy Deissi. Voici les trois sifflets du jour. Ajaccio, bien évidemment, comme toujours, dans ses couleurs blanc et rouge. Et puis l'Olympique Lyonnais dans un maillot chamarré, noir et blanc. Très joli maillot. Alors du côté d'Ajaccio, dans les buts, donc Timothée Vieille, hein, on en parlait. On va retrouver Nicolas Saliello, Anthony Khalifa, Dorian Gustave, Yacine Suidamed, Lucas Coucou, Owen Martinez, Thomas Fragassi, Ricardio Coutinho, Anthony Fosse et Moussa Samano. Donc le 11 titulaire sur le banc, Savelli, Armeni, Romder, Diaby et Carcillo. L'entraîneur, Monsieur Julien Bangala. Côté Ajaccio et puis côté Lyonnais. Changement puisqu'on n'aura pas le même gardien avec Justin Bengui Joao dans les buts. Jérémy Mounsès, le capitaine, Yanis Cheikh, Lilian Coppona, Steve Kango, Antonin Marcin, Pep Führer, Romain Perret, Yanis Chaïb, Joris Mankan et Enzo Molébé. Le 11 de départ et sur le banc, Ali Alamine, Matisse De Carvalho, Thiema Gueye. On va retrouver Brian Meyo et Ozan Métin, le second gardien, le sélectionneur, l'entraîneur, Amaury Barlet. Voilà, pour être précis. Côté compo, donc quelques changements avec donc la sortie du gardien du quart de finale. Donc pas de Matteo Pereira dans les buts. J'ai pas eu l'information concernant son absence aujourd'hui. Est-ce que c'est un choix du coach? Je sais que j'ai eu Amaury Barlet au téléphone ce matin qui m'a dit qu'ils étaient venus à 18. Groupe de 18 joueurs pour mettre seulement 16 noms sur la feuille de match. Forcément deux malheureux. On les voit, les Lyonnais. Prêt à en découdre. Et Ajaccio, donc ce magnifique parcours vraiment de la CA. Faut les féliciter, les Corses. Parce que pas simple, dans un championnat U17 ultra concurrentiel, ultra compliqué de se qualifier pour les quarts de finale. On le rappelle, il faut finir vainqueur de son groupe de 14. Après, il y a les deux meilleurs deuxièmes sur 6 groupes qui sont pris. Mais enfin, ça reste quand même extrêmement dur. Et Ajaccio, bravo, bravo, bravo Ajaccio, qui a terminé donc premier du groupe D devant Saint-Etienne. Ça s'est joué lors des dernières journées. On a fini avec le même nombre de points et donc Saint-Etienne qui termine second. Alors, on ne peut pas partir trop tôt, les amis. Faux départ sur ce coup d'envoi. Et Saint-Etienne donc termine deuxième. L'Olympique de Marseille termine troisième. L'AS Saint-Priest quatrième, AS Monaco cinquième. Hein. Imaginez-vous quand même la difficulté de ce groupe avec Monaco, Marseille, Saint-Etienne quand même. Sans oublier après des équipes comme Clermont Foot, Lyon-la-Duchère, l'OGC Nice hein, qui termine sixième de ce groupe D. Vraiment pas évident. Grand bravo à la CA et une petite pensée pour les clubs qui descendent parce que c'est vraiment dur. Hein, les nationaux U17 comme les nationaux U19 de toute façon. Et c'est vraiment, vraiment dur. Un bravo quand même à des clubs qui ne sont pas forcément très bien représentés en senior, mais bravo à l'Andrézieux Boutéon malheureusement qui redescend au SC Herbel et ainsi que le Racing FC Toulon. Des clubs qui sont formateurs mais qui n'ont pas de grosses équipes seniors. Je pense particulièrement à Herbel et au Racing Toulon. Mais qui font beaucoup de bien à la formation française. Et puis donc côté Lyon. Alors qu'on va avoir un joli coup franc pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui ont remporté le groupe C. Un groupe compliqué hein, avec Strasbourg hein, qui s'est qualifié aussi, qui a fini meilleur second. Les Lyonnais qui n'ont connu que 2 défaites dans la saison, très très solide. Dans un groupe où on retrouvait la S Nancy-Lorraine, la JA Sochaux, Metz, Mulhouse ou encore Dijon. Et descendre l'autre club de Dijon, la SPTT, le SA Épinal et le Racing Besançon. Voilà pour être complet donc sur le parcours de poule. Très très dur, vous n'avez pas trop droit à l'erreur. Hein. Si vous terminez avec 5-6 défaites, normalement ça ne passe pas. Allez, tout de suite, premier coup franc, on va se mettre dans ce match. Donc, il y a Yanis Chaïb qui avait cherché en profondeur et il y a du hors-jeu là, ouais, tout de suite. Alors, côté groupe, on l'a vu, Joris Mankan qui est aligné en pointe.
le numéro 9 lyonnais qui est redescendu, qui a joué avec les U19 la semaine dernière, les U19 qui sont tombés côté Olympique lyonnais. Donc ils n'ont qu'une seule équipe en demi. Seul Paris avait placé deux équipes en demi-finale. Oula, attention là-dessus. La grosse erreur. Derrière en profondeur. C'est bien fait le petit 2. Justement, Yannis Chaib qui tombe. L'arbitre qui ne dit rien. Le tac avait l'air correct. Hein. Monsieur Ingrand était bien placé. Derrière la contre-attaque. Attention, ça va très très vite. Du côté d'Ajaccio. C'est bien fait, c'est du 2 contre 1. Oh, c'est à côté. Incroyable. Pour les ACIS là-dessus, pour la CA. Oh, cette belle balle en profondeur, magnifique. Ah, c'est à côté. Ouais, joli mouvement en tout cas. Joli mouvement d'Ajaccio. Allez, longue ouverture dans ces contrées. C'était Ricardo Coutinho hein, qui a vu cette belle occasion là pour cette belle occasion pour Ajaccio. Et la touche de Steve Kangolio aussi qui était rentré la semaine dernière. Touche pour Pape Führer, un des hommes forts hein, de cette équipe U17, très solide. C'est parti des joueurs qui ont connu l'aventure en Gambardella. On rappelle bien sûr que Lyon, un vainqueur de la Gambardella cette saison. Très belle saison des Lyonnais. Donc le groupe U18, on rappelle la spécificité de cette Gambardella. Vous prenez les U19, vous prenez les U17, vous mélangez tout ça. Enfin les U19 qui sont U18 entre guillemets. Et Pape Führer a vraiment été de tous les matchs. A été remplaçant sur la finale. Mais a joué tous les matchs à partir des 32e. Allez, on met bien le pied sur le ballon. Ah, c'est bien fait, c'est encore pour Ajaccio qui a l'écrou. Hein. On le voit tout de suite, on sort les dents. Très bien fait sur ce côté, on avait bien combiné entre Dorian Gustave et Owen Martinez. C'était très bien fait. Là, on voit ici Ricardo Coutinho. Ouais, Owen Martinez qui est au sol. Owen Martinez hein, qui passait par Gap. Et avant par le petit club de Laragne Sport Football. Et on salue tout le club de Laragne. Son grand-père était l'ancien président de ce club. Et son père et son oncle y ont joué. Une belle famille de footballeurs. Laragne Montéglin en Hautes-Alpes. Oh, attention, c'est bien fait ça. Très bien tiré. On cherchait une solution dans la surface. On va essayer de mettre le pied sur le ballon côté lyonnais. Mal donné de la part de Romain Perret, hein, le double buteur la semaine dernière. Romain. Ouais, côté Olay, il a fallu gérer justement ce magnifique parcours en Coupe Gambardella. Gérer l'effectif. Ouais, l'arbitre qui va signaler une sortie. Balle au Lyonnais. C'était Yannis Chaib là, qui avait récupéré ce ballon. Allez, on va replacer tout le monde là. Côté Lyonnais. Ouais, c'est du gain de terrain. Tranquillement pour l'instant. Petit quart d'heure d'observation assez classique. On l'a vu hein, lors du match précédent en Paris... a pris son temps, peut-être un peu trop. Lilian Coppona, ça va décaler maintenant pour Steve Kango. On repasse derrière.
Attention, le beau pressing d'Ajaccio là qui presse très très haut et s'est récupéré. C'était récupéré par Dorian Gustave. Bonne récupération, on va repasser derrière. Et pour l'instant, Ajaccio qui va, hein, qui envoie. Très bien fait, Ricardo Coutinho. On va repasser derrière. On met le pied sur la balle. La belle diagonale. Et heureusement, on veille au grain là, du côté de Janicek. Et ça remonte la balle très vite. Ah, il y a un coup à jouer. C'est du. J'allais dire du 5 contre 5, mais ça y est, tout le monde est redescendu. Ouh, oui, grosse faute. L'arbitre qui va siffler. Et grosse faute sur Romain Perret. Il n'y a rien à dire là-dessus. On est en retard, on a loupé le ballon, c'est logique. Très bien fait de la part de monsieur Robin Grand, l'arbitre. Yannis Scheib, hein, qui devrait s'occuper du coup de pied arrêté. En tout cas, il est chaud pour le tirer. Allez, dans la boîte. Alors, finalement, on le laisse. C'est pour pas de fureur derrière. Ouh, cette frappe. L'effet d'optique. L'effet d'optique, les amis, je voulais peut-être un peu survendu. Je voulais peut-être un peu trop survendu. Ouais, elle passe à 1m50 du poteau. Allez, il va falloir presser un petit peu plus haut peut-être du côté lyonnais. Parce que Ajaccio, en tout cas, est parti avec une envie de mettre le feu, d'enflammer un peu ce match. Avec leur public, forcément, ils jouent à domicile. Même si j'imagine qu'il doit y avoir une grosse rivalité entre Borgo et Ajaccio, hein, lorsque ça joue les matchs de région. Oh, ce bon ballon encore, très bien donné. Remise derrière. Ricardo Coutinho maintenant. On va la travailler, celle-là. Oh, et très bien capté par Justin Bengui. Très sûr, très solide. Ouais, devant les deux attaquants, Moussa Soumano, hein, l'attaquant d'Ajaccio. Serial buteur. Attention à lui. Hein. Vous le voyez, là, le numéro 9 d'Ajaccio. Pas lui laisser trop de ballons. La paire à Soumano Foss qui a fait pas mal de dégâts cette saison. Il a donné le tournis à pas mal de défenses. Et puis comme ils ont envie de presser haut, un peu comme tout à l'heure, hein, si vous n'avez pas vu le match, mais le PSG Toulouse, c'était ça. Finalement, Toulouse est monté avec une envie de presser très très haut et on n'arrivait pas à relancer correctement la balle du côté de Paris. On va voir si ça va se confirmer là-dessus. Oh, c'est bien fait encore. Oh, et Timothée Vieille là qui arrive à bloquer le tir de Joris manquant. Joris qui est arrivé, il voulait quasiment rentrer avec la balle dans les buts. Là, j'ai l'impression. Regardez cette percée de Joris manquant. Monstrueux. Oh, et très bien fait de la part de Timothée Vielle. Le jeune gardien, alors ils sont tous jeunes, hein, je vais peut-être pas trop mettre cet adjectif à chaque fois que j'ai parlé d'un joueur. Parce qu'ils ont tous 17 ans et moins, on rappelle. On est sur les années 2005-2006, hein, les U17. Donc si vous êtes en 2004, vous n'avez pas le droit de jouer, vous jouez en U19, U18 et U19. Et on a même du côté de Lyon un joueur de 2007 sur le terrain, la présence de Enzo Molebe. Attention à ce joueur, on va le surveiller. Très très fort, annoncé comme extrêmement fort dans ce groupe U17. En tout cas, quel arrêt de Timothée Vieille. Lui qui vient de Carcassonne, le gardien d'Ajaccio. Passé par le petit club de l'AS Alata Football. Nouvelle fois la formation française qui marche partout. Aux quatre coins, j'allais même dire aux six coins de l'hexagone. C'est encore mieux. Et qui tente sa chance donc ici à Ajaccio au centre de formation. Et au classement des centres de formation, je vous en parlais tout à l'heure, hein, la Fédération française de foot qui établit un classement
L'Olympique Lyonnais est bien évidemment parmi le top 5. Hein. 4 étoiles. 5... Attention. Attention là-dessus. À la petite frappe croisée de Pape Führer. Pas trouvé le cadre. Dommage. Une vraie occasion là. Regardez ça. On a bien combiné avec Steve. Avec Steve et Enzo Molébé, justement. Mais derrière, on n'a pas trouvé le cadre. Pour l'instant, Timothée Vier qui fait un très bon match. Ouais, je vous disais que en termes de centre de formation, hein, bien évidemment, l'Olympique Lyonnais est classé top 5. Hein, donc, les centres de formation 4 étoiles avec Paris, Monaco, le Stade Rennais et donc Toulouse. Et Ajaccio est un petit peu plus bas. Ajaccio a 2 étoiles avec Angers, Lorient, Niort, Strasbourg ou 3. Ces critères, il y a 5 critères qui sont pris, le nombre de joueurs qui passent professionnels, bien évidemment, le temps de jeu qui est accordé aux joueurs qui issus du centre de formation en équipe première, la représentation des jeunes dans les temps de... Oh là là, Ricardo Coutinho qui était hors jeu apparemment. Donc je vous disais, voilà, la représentation des joueurs dans les compétitions internationales. La capacité à mener le triple projet scolaire, sportif, éducatif, très important. Et c'est vraiment bien que la FFF aussi prenne en compte toute la partie scolarité. Parce que tous ces joueurs ne passeront pas tous pro, bien sûr. Même si ici, on est sur l'élite des U17. Oh, mais là, c'est monstrueux ce qui est en train de faire encore Joris Mankan. Allez, Coutinho, il va lancer peut-être devant. Très bien fait de la part d'Anthony Foss. On garde la balle, on garde, on grimpe. On la grimpe. Très bien fait. Et finalement, regardez ça, les Lyonnais qui ne perdent pas le ballon. Le souci de la relance. Enzo Molébé. Oh, c'est magnifique ça pour Romain Perret. C'est une déviation de Joris Mankan. Romain Perret dans la surface qui reste debout. Est-ce qu'il va retrouver une situation de tir? Non, mais derrière, il n'y a pas de Führer qui récupère le ballon. Ouh là là, ça devient chaud. Sur les buts d'Ajaccio. Et la belle contre-attaque derrière. Pour l'instant, on a un très beau football. Le souci de relancer, le souci de bien jouer. Allez, on va calmer un petit peu tout ça avec Antonin Marcin. Dégalé sur le côté. Yanis Chahib. Pour Jérémy Mounsès. Oh, le contrôle de Pape Führer. Tranquillement. Magnifique. Ça a collé au crampon. Ça n'a pas bougé. Dommage. Enzo Molébé là qui... Aïe, 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 il y a un joueur à terre. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que ça tire? Ou est-ce qu'on a un... On l'a vu avec cette chaleur ultra chaud. Alors, j'ai eu l'information ce matin, lorsque l'équipe technique est arrivée pour bien s'installer et... tirer les câbles, enfin ce qu'il faut faire hein, bien sûr pour la production de ces demi-finales, eh bien la température était de 31 degrés au sol, imaginez-vous. Donc on comprend un petit peu mieux les pauses fraîcheurs qui ont été accordées aux joueurs tout à l'heure lors de la première demi-finale. Il doit faire très très chaud, on rappelle comme ce sont de jeunes joueurs, 17 ans et moins, donc il faut quand même faut les protéger aussi. Ces pauses fraîcheurs sont le bienvenu, ouais, tout le monde en a besoin déjà. Donc on va même avoir droit peut-être à 2 pauses fraîcheurs. Que tout à l'heure c'était une pause fraîcheur au bout de 22 minutes. Mais là on fait déjà une pause fraîcheur au bout d'un quart d'heure. En fin de saison en plus on a vu, on a eu des blessures. On a une grosse pensée bien évidemment à Yes Aradj hein, du côté de Toulouse. On espère que ça va aller. Normalement il ne sera pas présent bien sûr pour la finale. Hein. C'est au moins un claquage en toute fin de match. Mais vraiment, voilà, faire attention aux organismes. Pas de prolongation directement les tirs au but en cas de score de parité à la fin des 90 minutes. Allez, Dorian Gustave qui est passé par Le Mans. Le Guadeloupéen, passé par pas mal de clubs aussi en Guadeloupe. Qui avait été formé tout jeune, qui avait commencé le football du côté de l'Aviron Bayonnais. Et Dorian Gustave qui après a connu des très bons clubs bien évidemment de Guadeloupe. Les Gaulois de Basse-Terre. Le SS Bémao.
ou encore l'AS Le Gosier, bien sûr, sont des noms qui doivent vous parler si vous intéressez un petit peu au football ultramarin. Ils font souvent des belles percées en Coupe de France. Et après, quand revenu en métropole, passé par Le Mans Football Club et la CA aujourd'hui, le latéral gauche. Allez, proposer une solution. On avait pourtant une solution côté. Voilà, avec Anthony Khalifa. Oh, le contrôle d'Anthony Khalifa qui n'est pas bon du tout. Attention, ne pas faire de faute sur Enzo Molébé. Oh là là, quel arrêt de Timothée Vieille qui a bloqué l'angle. Enzo Molébé là-dessus, qui a décidé de la jouer en force. D'allumer à 2 mètres. Et on a été très solide. Ah, oh, ouais, on a été trop solide presque. Ah, il l'a pris peut-être plein. Oui, d'accord, ok. Plein bas-ventre apparemment. On va revoir cette action. Ah, le mauvais contrôle ici malheureusement d'Anthony Khalifa. Et derrière, ah, il y a une solution au deuxième. Il y avait une solution au deuxième quand même. Un peu sonné. Ah, Timothée Vieille pour l'instant qui est partout. Hein. Excellent match, lui qui est arrivé en 2017. Allez, on met tout ça en place, c'est normal, ça a peut-être un petit peu bougé. Ça fait pas du bien, ouais, c'est sûr, on compatit. Allez, on repose fraîcheur encore. Je crois que l'arbitre aussi a peut-être besoin de... Non, il va chercher le ballon. Ouais, mais le contrôle là de... d'Anthony là qui aurait pu très mal se terminer ce mauvais contrôle, ça peut arriver. Attention, il avait le soleil aussi hein. Le soleil qui est maintenant quasiment de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Cette belle ouverture mais très très bien défendue par Jérémy Mounsès, très bien fait, le capitaine hein, de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si on est Mounsès ou Mounsès, c'est pour être honnête. Jérémy qui a beaucoup joué en U19 cette année aussi. Énormément appelé en U19, quasiment autant qu'en U17. Il a vécu entre les deux groupes. A été aussi dans le groupe, bien évidemment. Vous l'imaginez, de la Gambardella. Qui a joué la finale, Jérémy. Qui a remporté cette Gambardella. Le capitaine des U17. Une superbe année pour lui. On remporte la Gambardella et derrière, on se retrouve en demi-finale du championnat de France U17. Pour l'instant, carton plein. Allez, Anthony Khalifa, faut se remettre dedans. Passer avec Timothée Vieille. Ah, c'est très bien fait cette petite dévation là de la part de Moussa Soumano. Dommage. Il y avait de l'idée, beaucoup d'idées. Il y a des chiens derrière. Et on va retrouver encore hein, l'imposant Moussa Soumano. Cette équipe a le capitanat du côté de la CA, on n'en a pas trop parlé, mais c'est Tom Fragassi, le milieu de terrain, numéro 6 hein, de cette équipe de la CA, lui aussi très prometteur. Son père Stéphane qui jouait du côté de l'Olympique Ajaccio, alors ça vous parle peut-être pas, qui était le troisième club, on sait qu'Ajaccio... comme une équipe, une ville qui aime le football, qui respire le football. On parle de la CA, mais on pense aussi bien évidemment au Gazélec. Et il y avait un troisième club, l'Olympique d'Ajaccio. Ouais, cette belle tête encore, Joris Manquant. C'est Joris Manquant, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Oh là là, dommage. Ouais, troisième club Ajaccio, qui avait fusionné à la fin des années 90 avec le Gazélec.
club de l'Olympique qui avait même connu la 3e division nationale dans les années 70. Très bon club de DH, de R1 aujourd'hui, mais très très bon club de DH à l'époque. Il jouait un petit peu en 4e division et a même connu une année la 3e division. Oh, c'est dangereux ça encore. Anthony Khalifa qui est obligé de s'imposer et Pape Fureur derrière qui va la tenter. Tenter d'enrouler. Je sens qu'il fait très chaud, que les organismes sont déjà abîmés. On l'a vu tout à l'heure, hein, les Parisiens n'avaient plus rien, plus de jus. Le moteur était vide. À 4-1, là on n'a plus la volonté d'aller se dire on va tenter le tout pour le tout. Trop compliqué de faire le pressing. Ah, ces premières grosses chaleurs forcément qui arrivent en fin de saison. Jamais simple à gérer. Allez, Coutinho. Coutinho qui s'enfonce. Ah, très bien défendu de la part de Steve. Et l'arbitre qui va donner une sortie de but. Très bien défendu de la part de Steve Kango. On a l'impression que les joueurs voudraient jouer tous devant, là, dans l'ombre. Allez, pause fraîcheur méritée. Donc la pause fraîcheur officielle est au milieu de la mi-temps, donc classique. Mais je pense que là, au vu de la chaleur écrasante sur ce synthétique, on n'hésitera pas à les laisser aller boire quand même. Autant qu'ils le veulent, ils en ont besoin. Alors cette saison, elle est en championnat. Forcément, ces clubs ont connu quelques défaites du côté d'Ajaccio. 4 défaites, on a perdu 4 fois à l'extérieur contre Clermont, contre l'Olympique Valence, contre Lyon La Duchère et contre l'AS Saint-Etienne. Un match qui aurait pu leur coûter très cher. Et finalement, ils ont réussi quand même lors de la dernière journée, c'était l'avant-dernière journée, quand ils ont perdu contre Saint-Etienne qui avait complètement relancé les Verts. Et finalement, le boulot avait été fait lors de la dernière journée, la victoire avait été assurée et ils avaient gardé le goal average. Côté de l'Olympique Lyonnais, seulement 2 défaites cette saison, s'il vous plaît. Chez les U17 de Lyon, avec une défaite contre le FC Annecy en octobre, 2-1. Et puis une défaite à Auxerre, 1-0. Auxerre qui joue, hein, bien sûr, la montée en Ligue 1, en Ligue 1 contre les Verts en ce moment. Et puis, le match retour, pas en ce moment, là même au moment où je vous parle, hein, mais le match retour, je crois qu'il y a lieu dimanche. Et puis bien sûr le FC Annecy, on en parlait, qui remonte lui en Ligue 2. Une belle nouvelle pour le club savoyard. Avec une équipe avec un centre de formation qui a l'air de fonctionner pas trop mal. Allez, pause fraîcheur terminée. On est reparti donc. On est sur des cartons aujourd'hui. C'est un peu l'idée. Allez, Dorian Gustave. Qui l'a gardé celle-là. En tout cas, un beau football pratiqué par Ajaccio. On essaye de jouer. On veut tenir tête à l'ogre lyonnais, bien sûr. Les oursons, comme on les surnomme ici, des jeunes joueurs d'Ajaccio. Anthony Khalifa, on va remettre dans l'axe justement. Oh, attention, je mal dans ses contrôles pour l'instant sur cette première grosse demi-heure. On va essayer de faire sortir les Lyonnais, c'est une bonne guerre. Faire sortir le groupe, voilà, c'est Romain Perret qui va lancer le pressing. Pressing lancé, et tout de suite, pressing efficace. Ben ouais, Timothée dans les buts qui dit, les gars, j'ai pas de solution, vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas la mettre de l'autre côté du terrain, je suis un U17 quand même. Je n'ai que 17 ans. Même s'ils ont de la force, forcément, ils ont quand même pas encore une force complètement de senior. Et pour les gardiens, surtout en termes de dégagement, ça dégage loin, très loin déjà, à cet âge-là, bien sûr. On n'a pas la puissance forcément d'un gardien de 23 ans. Voilà un beau dégagement qui arrive à la ligne médiane.
Enzo Molobe, il y a une petite faute là. Ouais, Dorian Gustave, c'est sifflé. Et donc Enzo Molobe, hein, je vous disais, qui est de 2007, la pépite ici, le plus jeune joueur, passé donc par la CBB et le Paris Football Club. Le PFC, hein, qui continue de grandir en région parisienne. Son centre de formation s'améliore d'année en année, de plus en plus coté. Ils ont donné du fil à retordre justement dans cette catégorie, hein, en U17 au PSG. Ils ont battu le PSG cette année, les U17 du PFC. Le match devait être bien chaud. Et donc Enzo Molobe passé par la CBB aussi, qui est devenu quasiment le meilleur club du 92 chez les jeunes, le club de Boulogne-Billancourt. Forcément, il y a toujours un peu avec Montrouge, avec le Racing, bien sûr. Mais la CBB, là, ces dernières années, a vu pas mal de très bons joueurs passer sous ses couleurs. Mais beaucoup de jeunes footballeurs du 92 maintenant visent un petit peu ce club. Allez, ça circule bien. Très bien fait ça. Anthony Khalifa derrière, c'est un peu trop poussé. Et ballon qui va être récupéré toujours par par Ajaccio. On temporise. Ah, dommage, c'était bien fait par Owen Martinez là. Non, pardon, c'était. C'était Lilian Coppona. La contre-attaque lyonnaise, ça peut aller très vite. Hein. On va exploser. On va jouer sur Yanis Chahib. Yanis Chahib qui la grimpe bien. Et la faute, ouais, la faute qui est sifflée. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Allez, carton jaune. Carton jaune pour Nicolas Aiello. Passé par Bastia. Quelques joueurs du club d'Ajaccio sont passés par Bastia. Et d'autres par le Gazélec d'ailleurs aussi. C'était le cas de Tom Fragassi. Anthony Khalifa aussi en défense, hein, le numéro 4 qui est passé par le Gazélec. Quand Nicolas lui est passé par Bastia. Ainsi que Lucas Koukou. Je suis désolé, je prononce peut-être très mal les noms corse, je m'en excuse auprès de tous les téléspectateurs corse. Et Pape Fureur pour le tirer. C'est bien fait. Oh, la barre. La barre sur cette tête de Joris Mankan, qui est dans tous les coups pour l'instant, l'attaquant lyonnais, mais qui n'arrive pas à la foutre au fond. Oh, pleine barre. Allez, Justin qui va rejouer avec Steve. Le pressing. Oh là là, quelle occasion. On l'a magnifiquement tiré, ce coup franc au premier poteau. On avait bien coupé chez Joris Mankan. Allez, Enzo. Enzo Molébé là-dessus, il en fait un petit peu trop. Et c'est perdu, attention, ça peut aller vite, hein, du côté d'Ajaccio. Ouais, on avait cherché Anthony Fosse devant. Sur le côté maintenant. Pour Ricardo Coutinho qui va travailler Steve. Steve Kango qui est battu là-dessus. C'est bien fait pour Moussa. Derrière la récupération, attention, on peut enrouler. Ouais, c'est très bien défendu. Le pion en opposition. Et derrière, on la tente. Non, il faut la tenter, pourquoi pas. On a vu des tellement beaux buts tout à l'heure. Je vous invite à aller voir le match. Je vous invite à aller voir, en tout cas, quoi qu'il arrive, le résumé de ce PSG tous. Mais regardez. Regardez ça au premier poteau. Boum. Pleine barre. Ah, et pour l'instant, ça tourne. Mais ça ne rentre pas. Ça tourne autour. Hein, des buts de Timothée Vielle, mais ça ne rentre pas. Ouais, je vous disais, je vous invite à aller voir, les amis, les buts du match Toulouse-PSG tout à l'heure. Le but de Matis Saka, un bijou, un sucre d'orge, comme j'aime à les appeler, monstrueux. Frappe de plus de 25 mètres, pleine lunette, qui n'a laissé aucune chance au pauvre Destienne Kounkou dans les buts, là, le portier parisien. Et on a mis trois buts monstrueux, hein, du côté de Toulouse. Trois superbes frappes. Alors ça aide, hein, quand on est précis de loin, forcément, quand on cadre. Mais les Parisiens qui n'ont pas beaucoup tiré.
Et donc attention, on est un peu sur un même schéma hein, avec ce Lyon-Ajaccio où Lyon fait figure de favori en termes de prestige de son centre de formation une nouvelle fois, bien sûr. Bon, des équipes, on arrive en bout de course, en bout de saison, on est crevé de chaque côté, hein, on a tout donné. On a joué avec les réserves, la U19, la Gambarde. On a été appelé à droite, à gauche, on a été baladé. On est en déplacement quasiment chaque week-end. Des gros déplacements pour ces jeunes joueurs. Sans oublier l'école aussi qui continue. Donc on arrive à la fin, on est... Les vacances sont les bienvenues. L'école et les entraînements, bien sûr. Plus la concurrence qui est en interne à chaque fois. Hein. Et je peux vous dire que du côté de Lyon, forcément, la concurrence est... Et monstrueuse. Allez, hein. Ah, c'est dommage, c'est un petit peu fort ça. Dommage de la part de Lucas Coucou là-dessus. C'était très bien fait, il s'était baladé un peu partout, à droite, à gauche. Mais ballon donné un petit peu trop fort. On sent que chaque course, hein, les fatigue énormément avec cette chaleur. On a déjà tout le monde un petit peu la tête basse. Allez, Dorian Gustave au centre pour, pourquoi pas, Moussa Soumano. Et oui, le tir en pivot du numéro 9 d'Ajaccio. Regardez le petit contrôle, très bien fait pour se mettre sur son droit. Le petit... Et bon, on envoie. On va jouer court. On va essayer de garder la balle, hein. C'est un peu l'idée. Allez, Romain Perret qui va la grimper un peu cette balle. Voilà, il y a l'espace. Il le fait très bien. Si on ne vient pas sur lui, ben j'avance. Du classique, mais ça fonctionne. Après, il faut trouver une solution. Obligé de repasser derrière sur Lilian Coppona. Allez, Steve Kango. Très bien fait, ça, très bon mouvement sur Enzo Molébé, mais très joli tacle d'Anthony Khalifa, très bien défendu de la part du défenseur central corse. On avait cherché loin devant Anthony Fos, pourquoi pas. Ah, on est sur un scénario, tant qu'on est à 0-0, tout est bon pour les Corses, hein. Yannis Chek qui a tenté de monter cette balle. Joris Mankan pour jouer avec Yannis Chaïb. Joris Mankan. Dommage. Et la contre-attaque. Moussa Soumano. Voilà, on la garde, on fait monter le bloc. Ne pas la perdre. Ouais, dommage. On va faire quand même une touche corse. Il avait attendu, là il était tout seul, il avait attendu que le bloc remonte. Et donc la touche par Nicolas Aiello qui a pris le carton jaune pour l'instant de ce match, le premier carton jaune. Moussa Soumano qui va rentrer dans la surface, attention maintenant, est-ce qu'il y a une solution derrière? Non, il y a surtout les mains, les gants de Justin Benguijoao qui relance rapidement sur Steve Kango. Steve Kango qui va la monter, on va redonner derrière Lilian Coppona. Allez, il faut essayer d'emballer ces matchs. On va arriver dans le money time de la première mi-temps. Les 10 dernières minutes là-dessus, c'est que ça fait toujours mal de se prendre un but à ce moment-là. On rentre au vestiaire un petit peu avec... J'allais dire comme on dit de nos joueurs, avec le seum, mais en tout cas un petit peu avec... Avec la rage. C'est faire mal à son adversaire de marquer maintenant. Lilian Coppola. Pour Enzo Molébé. Oh, bien fait, c'est encore pour Romain Perret, mais la belle défense d'Ajaccio, solide. On va chercher leur homme de pointe. Ouais, c'est bien fait, là, de la part de Moussa Soumano, tranquillement, on s'est allongé. On a senti le petit contact. Je dis pas qu'il y a, attention, il y a eu petite faute. On est très content de prendre le coup franc dans le rond central du côté d'Ajaccio, il a raison. Ça permet de faire remonter tout le monde. Un petit 30 secondes de respiration. Ça casse le rythme. Allez, Anthony, loin devant.
Et la touche, non. C'est pas pour Yacine Souidamed hein, qui va rester dans le, au milieu. Yacine qui la demande. Lui aussi a surveillé. Très bon jeune joueur, Yacine Souidamed. Du côté d'Ajaccio, le numéro 5. Allez, devant. Pour chercher qui? Ah, il a la touche à chaque fois, quasiment un Joris manquant. Pour comprendre qu'il soit venu aider les U19 lors du, de la rencontre précédente. Allez, Ricardo Coutinho, faut travailler. Il y a Dorian Gustave qui va peut-être proposer une solution. Il y a une solution derrière. Ah, c'est une faute, ça, ouais. C'est une faute de Steve Kango. Est-ce que l'arbitre va aller jusqu'au carton? Non, on va aller en tout cas jusqu'aux explications. Monsieur Robin Ingrand qui va dire. Steve, doucement. Dernière fois. Ok. En plus, t'as de la chance, toi, tu joues à l'ombre. Nous, on est tous au soleil, toi, t'es à l'ombre. Donc, s'il te plaît, sois cool. Allez, Owen Martinez. Merci de bien la placer. Allez, vraie solution, vraie situation, bien évidemment, hein, ces coups de pied arrêtés. On le sait, on le dit à chaque fois. Bien quoi jouer. C'est Joris Manquant qui la sort, je crois, hein, qui est venu aider les grands. Il a un bon gabarit. Et Romain Perret qui pourrait peut-être prendre une biscotte là-dessus. Doucement, tranquille, il n'y a pas de souci. On demande à l'arbitre de venir voir ce qui se passe. On va revoir. Ouais, il y a faute, c'est rien à... il y a faute, hein, c'est sûr. Romain, on vient s'excuser tranquillement. Voilà. Allez, on est cool. Il y a le capitaine en plus, Tom Fragassi qui vient. Allez. C'est sur Owen Martinez hein, que la faute a été faite. Et le jaune est pris quand même. Un jaune pour Romain Perret. Allez, on se... Ah, on a mal... On entend Owen serré dans le public corse forcément, qui pousse pour son équipe. Lui qui tire des coups de pied arrêtés en plus. Allez, il faut s'appliquer, il y a un bon ballon. Pour l'instant, on a vu un Justin très à l'aise dans les airs, un Justin Bengui Joao. Le gardien lyonnais passé par Villefranche. Ah, Villefranche qui doit en amener quelques-uns des joueurs à l'Olympique Lyonnais. Passé par Villefranche. Il est arrivé au club assez jeune, hein, arrivé en 2016 au club de la capitale des Gaules. Très agréable en tout cas, où il y a plein d'actions. Ça joue pour l'instant malgré la chaleur. On verra si ça va être la même chose en seconde mi-temps. Je veux dire que les changements vont être faits, ça c'est sûr. Ouais, une béquille, j'ai l'impression, comme du côté de Owen Martinez là. Ouais, il fait signe, c'est bon, c'est bon. C'est Dorian Gustave qui va se charger du corner. Allez, mettre sa tête. Oh, c'est enlevé. Oh là, attention, la faute de main. L'énorme faute de main. On en parlait juste avant, je le disais, très à l'aise dans les airs. Oh là là, et encore, c'est pas Fureur qui la sort celle-là. Oh, l'énorme faute de main de Justin. Ah, Justin Bengui là-dessus, ouais. Et recorner. Allez, on demande au public de pousser un peu. Et Dorian qui a très bien tiré le premier dans la boîte. Allez, sur la ligne des 6 mètres. On va essayer de viser. Allez, elles sont assez hautes. Oh, et encore. Allez, dommage, c'est Anthony Fosse. Bah, pas assez appuyé, pas assez forte hein, pour mettre en difficulté Justin. Justin Bengui.
On prend de la confiance, et oui. On rappelle que Ajaccio, on n'en a pas parlé, mais on a parlé de la victoire, bien évidemment, hein, de l'Olympique Lyonnais en Gambardella, victoire cette année. Mais très beau parcours de la CA aussi. Quart de finaliste, s'il vous plaît, pour la CA. Ils y ont cru jusqu'au bout, avec dedans beaucoup de joueurs de cette équipe du 17. Hein. Ils ont, c'est leur génération. Allez, Yanis, Yanis Chaib qui dribble aussi l'arbitre, qui renvoie encore. Dieu que c'est bien fait, techniquement parfait. Yanis, ouh, ça la régale. Perdu en... perdu contre 3 en quart de finale. Après avoir battu le très bon petit club de l'AS Saint-Jacques. Club de Régional 1. Puis après, ils ont battu l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît, au tir au but. En 32e, l'OGC Nice à Nice. Oui, messieurs, dames. En 16e, 1-0. Et puis après, victoire à l'extérieur contre Amiens. Enfin, victoire au tir au but. Hein. Alors, on est passé au tir au but 3-3 après le temps réglementaire. Et c'était comme Marseille. À Marseille, ils étaient passés au tir au but aussi. Puis après, éliminé par les Stacks. Le club de 3 en quart de finale. 3 buts à 1. Mais dedans, on retrouve énormément de joueurs hein, de U17 dans cette équipe de Gambardin. Et Ricardo Coutinho, pourquoi pas. Et finalement, c'est pour personne. On va repasser derrière sur Dorian Gustave. Allez, Dorian Gustave, Anthony Khalifa, Dorian Gustave. Pour l'instant, ça joue très bien sur ce côté gauche. Côté gauche de l'Ajaccio. Pape Führer. Pour vous dire un petit peu, hein, des joueurs de la CA qui ont joué en Gambarde. Hein, alors Timothée Vieille n'était pas le gardien. Il n'était pas le gardien de l'équipe de Gambardella. C'était Pierre Marigouet le gardien, je crois, si je dis pas de bêtises, de partie du 19. Nicolas Aiello a joué 4 matchs sur 5. Anthony Khalifa, on a joué 3. Tom Fragassi, pareil, a joué, est une fois remplaçant. Dorian Gustave a joué 3 fois, marqué un but. Owen Martinez a joué 2 fois, marqué 2 buts. Yacine Soudamed, je vous le disais, 4 fois titulaire, s'il vous plaît. Donc membre important de cette équipe de Gambardella. Lucas Coucou a fait 2 fois titulaire. Et Ricardo Coutinho, 3 fois remplaçant. Ainsi que Nabilay Diaby qui est sur le banc aujourd'hui. Qui lui aussi avait joué 2 fois. Bon, attention. C'était à quasi 2 contre 1. Heureusement, Lilian était là. Lilian Coppona. Et là, un 3 contre 3. Ah, dommage. Dommage pour Lucas Coucou là-bas, qui a du mal à trouver une solution. Sortie de but. Et oui, très bien fait. De la part du capitaine rodanien, Jérémy Mounsès. Très bien fait. Jérémy pour Lilian. Pour l'instant, la défense vraiment très solide, très sereine. Derrière. Du côté de l'OL. Enzo. Tranquille. C'est un 2007, hein, je tiens à le rappeler. Yanis Cheikh qui la monte. On va décaler sur le côté. Pour Yanis Chaib. Dans le tas. Pape Führer qui laisse passer pour Enzo. Ouais, c'était position de hors-jeu. Et je pense que l'arbitre sur ce dégagement risque de siffler. Là, fin de cette première mi-temps. Un 0-0, mais un très beau 0-0. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé chez vous. Mais vraiment, un beau match. On essaie de jouer au football malgré comme la chaleur.
Allez, Enzo. Ouais, on a cherché Joris Manquant. Allez, Anthony Khalifa. Anthony Khalifa loin de l'autre côté pour Moussa Soumano. Moussa Soumano qui perd cette balle. Pas évidente non plus. Contrôle pas le plus, c'est pas le contrôle le plus simple de l'histoire. Lilian Coppona dans l'axe. La balle qui revient jusqu'à Steve Kango. Steve Kango qui peut jouer en profondeur. Enzo Molebe qui l'a demandé. Ouais, il aurait même tellement bien visé qu'il a visé le dos. Et l'arbitre qui regarde sa montre. Enzo Molebe encore. Non, finalement c'est pour Dorian Gustave. Ricardo Coutinho, ça travaille. Et la balle qui sera pour les Lyonnais. Et voilà, fin de ce premier acte, donc 0-0 entre l'ACA et l'OL. Les amis, pas de ralenti de but, bien évidemment, à vous proposer. Donc dans ces cas-là, eh bien, c'est le contenu de la Fédération Française de Foot qui va vous être présenté avec, normalement, vous devrez revenir justement sur la victoire de l'Olympique Lyonnais lors de la Gambardella. Sur ce, je reviens dans 10 minutes. À tout de suite. Les joueurs qui rentrent.
Heureuse après une victoire. Cette année, c'est le premier titre qu'on ramène, donc forcément, c'est quelque chose de spécial. Je tenais à les féliciter pour leur parcours. Et voilà, je pense que c'est un très beau moment qu'ils ont vécu, malheureusement, même si le résultat n'y était pas, mais je pense qu'elles ont quand même apprécié de jouer contre nous. Elles ont fait un bon parcours, elles ont mérité d'être ici. Elles ont fait un bon match ce soir, elles sont jamais bien lâchées, et franchement, j'espère qu'elles vont. Une grosse saison la prochaine en D2, et pas monter en D1. C'était une super finale avec des très beaux joueurs. On a dû faire face à une très belle équipe de Caen. Maintenant, la victoire est là, donc tant mieux, et on va en profiter pleinement. Ah, franchement, c'est magnifique. Pour tout vous dire, j'ai même lâché une petite larme. Voilà, c'est quelque chose d'inoubliable, je l'oublierai jamais de ma vie. Et franchement, très content de notre parcours, de tous mes coéquipiers, tout le staff. Franchement, je les remercierai jamais assez. Ouais, une victoire difficile. On a eu un match équilibré. Les deux équipes, elles auraient pu, on va dire, prendre l'avantage au score. Maintenant, l'essentiel d'une finale, c'est de la gagner. On l'a gagnée, donc ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on courait après, et on a réalisé, je dirais presque l'exploit. On l'a fait, et c'est l'essentiel. Une émotion très forte. Je suis très content de la victoire. Notre unité hors et sur terrain, elle a fait effet. Je suis très content. Et allez l'OL, qu'est-ce que l'Olympique. Qu'est-ce que t'as pensé du match? C'était difficile, hein? C'était un match difficile, certes. Mais avec la force et la dalle, on a réussi à faire face à cette difficulté et on est très heureux. Hey, hey, qui ne saute pas les baïonnettes? Hey, qui ne saute pas les baïonnettes? Hey, qui ne saute pas les baïonnettes? Ouais, c'est vrai, parce que je fais un bon match, soi-disant. Donc, tout ce qu'il faut pour avoir fait un bon match et aider l'équipe à gagner, donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu ressens là? L'émotion forte, de la joie, c'est tellement grand, c'est indescriptible. Donc voilà. Faut y voir pour y croire. Franchement, c'est quelque chose de magique. On est très content, très heureux. Et franchement, c'est un travail qui paye. C'est un travail qui finit bien. On a commencé avec Saint-Etienne un match très dur. Et on s'est dit que si on passait le premier tour, on devait aller au dernier et gagner le dernier tour. Donc on l'a fait et on est très content. J'avais connu le succès avec d'autres clubs, mais je veux dire quand je suis venu à Lyon,
Par rapport à la qualité des joueurs, à la qualité du club, je pense que c'est normal qu'on ait cet objectif. Après, on l'a atteint et on peut être fier des joueurs. On peut remercier aussi tous les différents staffs de l'académie, que ce soit des U17, des plus petits aux plus grands, parce que c'est le succès de tout le monde. Et particulièrement, entre guillemets, pour cette année, on va dire staff U17, U19 et N2, parce que tout le monde s'est mis à disposition de cette équipe et a fait le maximum pour qu'on obtienne le succès. Ça a été un match compliqué, mais bon, c'est dans les matchs compliqués que les victoires sont les plus belles. Donc franchement, inoubliable. Qu'est-ce que tu ressens là? Là, franchement, je pourrais même pas vous expliquer tellement c'est beau. C'est magnifique, on va bien fêter ça, on va ramener la coupe à Lyon et on fêtera ça bien comme il faut. Qui ne saute pas de ballonnet? Qui ne saute pas de ballonnet? C'est fabuleux au Stade de France, comme vous pouvez voir. Un stade magnifique, dans de bonnes conditions. Et franchement, il n'y a pas mieux pour jouer une finale de Gambardella et la gagner surtout. Voilà! Clairefontaine, un lieu unique dans un environnement de rêve. Ici, on raconte que certains grands joueurs ont atteint les étoiles. Aujourd'hui, j'ai la chance de marcher dans leurs traces. Car je sais que dans cette prestigieuse maison, des légendes passent, pendant que d'autres naissent. Entraînement, partage, persévérance, autant de valeurs indispensables à ma progression. Mais malgré tous ces efforts, je dois rester en quête d'une seule chose. Le plaisir de jouer. Un jour adversaire, demain coéquipier. Comme toi, je me bats pour la victoire. Et pour quelque chose de plus grand encore. Mes couleurs et mon maillot. De retour pour cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, vous le voyez, 0-0 entre l'AC Ajaccio et l'Olympique Lyonnais. On s'est régalé, un bon 0-0 comme on dit en famille. On a vu pas mal de choses. Deux équipes qui ont tenté leur chance. Pour l'instant, légère avantage aux Lyonnais, on va dire, avec ce numéro 9 là qu'on voit arriver qui court, Joris Manquant,
qui est redescendu en U17 cette semaine après avoir joué le quart de finale U19. Joris Mancan qui a eu une superbe occasion sur la barre, une tête sur Koufran, de Pape Führer. Et Joris Mancan a surgi au premier poteau. On a eu un très bon Timothée Vieille dans les buts d'Ajaccio qui a sauvé aussi une action sur un tir à bout portant de Enzo Molébé, le numéro 7 aussi de l'OL, le jeune numéro 7 de l'OL de 2007. Donc voilà, puis en face, on se défend hein, du côté d'Ajaccio avec surtout Moussa Soumano devant en point très intéressant, jouant pivot. Et on va chercher pression de comme en district hein, la touche au loin. Peut-être déjà connu ça vous, en tout cas moi, ceux qui ont joué dans les plus basses divisions du championnat de France, quelles que soient les catégories, pour aller amener le danger de l'autre côté. Et on rappelle, si vous n'étiez pas là tout à l'heure à 15h, la qualification pour la finale du Toulouse Football Club qui a étrié le Paris Saint-Germain 4-1. Je vous invite vraiment à aller revoir le match, aller voir le résumé quand il vous sera proposé. Vraiment, 4 magnifiques buts du côté de Toulouse. Paris qui n'avait plus rien dans le moteur. Allez, le ballon pour l'instant qui va d'un but à l'autre. Les hommes de Amaury Barley. Pas parler des coachs. Et on va leur profiter là, du petit round d'observation de cette deuxième mi-temps. Histoire que les joueurs repartent à l'assaut des buts adverses. Pour bien sûr présenter les coachs. Amaury Barley. Jeune coach. Mais ça fait du bien justement. Pas toujours le schéma classique. Ancien joueur de foot qui passe derrière coach. Amaury qui a découvert, qui a voulu coacher très jeune, bon joueur de foot dans son club de Cascole, et puis à l'âge de 16-17 ans qui s'est mis à entraîner les poussins, et ça a été le déclic, l'envie de coacher derrière a pris le pas sur l'envie de jouer. Joueur qui est né en 89 hein, donc il a 33 ans, et donc il a d'abord coaché bien sûr dans son club jusqu'au U15, puis après a eu la chance d'aller jusqu'au... Attention là-dessus, Joris Mancan. Ah, il s'éloigne du but, presque Joris. Et derrière, c'était Yanis Chaïb qui avait le deuxième rebond. Enfin, le premier rebond surtout. Le premier rebond et qui n'a pas pu la mettre au fond. Bel arrêt de Timothée Vieille encore une nouvelle fois. Ah, et je vous disais donc, derrière qui a eu la chance après assez jeune de pouvoir rentrer à l'Olympique Lyonnais. S'occuper des U12, puis des U13, puis des U16. Puis des U17, puis du pôle espoir U16, U17, hein, pour vous montrer la belle progression de Amaury Barley, qui en même temps aussi est un amoureux du futsal, le futsal qui continue de grandir en France. Attention quand même, Lucas Cucu là-dessus, très bien fait, dommage pour Ajaccio, et qui a créé son club de futsal, Amaury Barley, le coach des U17, l'ALF à Lyon, et le club qui joue en R1 en futsal et qui a fait quart de finale de Coupe de France cette année. Bravo, qui avait perdu contre Nantes, le futur vainqueur de cette compétition. Nantes qui a battu Mouveau. Le futsal qui continue de grandir vraiment dans l'Hexagone. N'hésitez pas à mettre vos enfants d'ailleurs au futsal. Lyon qui a intégré le futsal dans sa formation aujourd'hui. Il y a un créneau qui est proposé à chaque fois à tous les jeunes du centre de formation. Où on va taper un peu de futsal. Ça permet bien sûr de développer la technicité, le jeu dans les petits espaces. De données proposées à chaque fois. C'est sûr que c'est un autre football. Mais ça permet de progresser techniquement à la vitesse de la lumière. Et l'OL ici qui innove justement en intégrant le futsal dans sa formation. Et qui a aussi une équipe de futsal d'ailleurs, l'Olympique Lyonnais. Une section futsal maintenant. Attention à Romain Perret, dommage, beaucoup de tête, un petit peu trop lobé pour le coup. Et puis de l'autre côté, le coach de l'ACA,
Monsieur Julien Bangala, qui a fait toutes ses classes lui en Corse. Lui aussi jeune coach, passé par Bastia avant, qui s'est occupé des jeunes de Bastia, des U19. Commencé par les U13, puis les U15, les U16, les U17, un parcours assez similaire à celui d'Amaury Barlet. Et puis après, qui s'est occupé donc, de la CA U17, et avant tout ça, est passé par le très bon club de jeunes qui malheureusement redescend cette année et qui ont eu une saison ultra compliquée. Le club de, alors je le prononce sûrement très mal et je m'en excuse encore une nouvelle fois, Pieve di Lota. Club qui avait une équipe en nationaux. Et malheureusement qui vont terminer dernier cette année. Et donc Julien Bangala est passé par ce club au début des années 2010. Allez, Lucas Coucou là-dessus, pourquoi pas la récupérer. Ouais, il va y avoir une faute sur Yacine Chaïb. Ils ont une équipe en U19. Pas en U17, mais en U19. Autant vous dire que les places sont chères en U19. Hein. En U17, c'est 6 groupes de 14. En U19, on est sur 4 groupes de 14. Donc il faut se faire la place entre tous les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et tous les gros centres de formation de France pour arriver à amener une équipe en U19 nationaux. Allez. Lucas encore une fois qui va jouer loin devant. Très bon ballon. Elle ne sort pas. Très bien fait. La part de Moussa Soumano. Moussa Soumano qui travaille. Qui rentre. Ah dommage, il cherchait Ricardo Coutinho. Attention à la contre-attaque. Ça peut être rapide avec Pape Fourreur pour Enzo Molebe. On va essayer d'emballer ce match. Pape Fourreur derrière. Propose une solution dans l'axe. Non, finalement on va jouer au deuxième poteau sur Joris Mancan. C'est très bien fait. Le petit contrôle de la cuisse. Il y avait hors-jeu. On avait proposé une solution. Il y avait Antonin Marcin qui était tout seul dans l'axe, qui proposait une solution. Voilà, regardez le petit contrôle de la cuisse, magnifique. Bon, derrière, après, l'angle était impossible. Hein. Très compliqué. On a peut-être essayé de jouer avec Yanis Chahi, mais trop dur. Ricardo Cousinho qui va repasser derrière. Sur Anthony Khalifa, loin devant. Il n'y a rien. Oh, qu'elle était belle en tout cas. Pas content chez Lucas. Faites-vous votre idée chez vous. Est-ce qu'il y avait faute ou pas sur Yanis Cheik? Allez, en tout cas, monsieur Robin Ingrand, tout de suite. Il ne veut pas avoir de mauvais gestes. C'est vrai que c'était un vrai bon ballon hein, pour Lucas derrière là. Seul face à Justin. Justin Benguidjoao, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Et puis demain, toujours sur la chaîne de la Fédération Française de Football, n'oubliez pas la deuxième demi-finale U19 cette fois-ci. Tout à l'heure, Nantes est passé. Et demain, un magnifique Paris Saint-Germain-Monaco. Là aussi, beaucoup d'excellents joueurs. L'équipe parisienne est très costaud. Mais attention, il y a du beau monde aussi du côté de la Principauté, hein, du côté du Rocher. Allez, 3 contre 3, si ça va vite. Anthony Fauss qui la tente. On a raison. Alors le soleil, comment est le soleil? Parce que tout à l'heure, il avait été très gênant dans le match entre Paris et Toulouse, d'un petit peu moins. C'est un soleil latéral. Moins gênant pour les gardiens. Sauf sur les coups de pied arrêtés venant du côté tribune ici. Oh, et la faute, ouais. Là, on va prendre le carton. Ouais, c'est normal. Très bien arbitré de la part de monsieur Robert Ingrand. Robin, pardon. Désolé, monsieur l'arbitre. Non, pas que le prénom Robert ne soit pas bien. C'est Robin. Robin Ingrand. Il y a un très bon coup franc. Et donc le carton.
une nouvelle fois. Monsieur coup de pied arrêté du côté de l'Ajaccio. Owen Martinez. Allez, pas gâcher ses ballons. On l'a vu hein, lors de la première mi-temps. La vraie occasion du côté de Lyon est venue sur un coup de pied arrêté. Et là, le soleil est gênant. Le soleil est très gênant pour Justin Bengui, Joao. Si vous le mettez là, au niveau du point de pénalty, c'est l'endroit où il faut la mettre, celle-là. Je pense que peut causer beaucoup de soucis au portier lyonnais. Très bien mise. Ouah, bien joué. En plus, il a une petite sortie difficile tout à l'heure en première mi-temps. Moment bien rattrapé. Allez, Pape Führer pour Enzo Molebe. Enzo qui va la monter. Changer d'aile complètement. Pour chercher Yanis Chaïb encore. Entre Yanis sur ce côté gauche. Oh, c'est qu'est-ce qu'il est technique. Très très fort. Romain Perret. Au deuxième. Et la contre-attaque maintenant avec Ricardo Coutinho. On prend son temps chez le Portugais. Oh, ça va vite, ça va très vite. Et Steve qui est obligé de tacler la balle qui ne sort pas. Joué, dit monsieur l'arbitre. Ouais, le tac avait l'air propre. Alors, est-ce qu'on est par terre chez... Voilà, là on revient. Ouais, Steve. Pape Führer qui va repasser derrière. On va rejouer avec l'axe de l'OL. Le capitaine Jérémy là-dessus qui va jouer encore une nouvelle fois. On réinsiste côté droit. Ouh, il les aime ces ballons, il les aime. Joris Mancant pour Romain Perret. Il y a de l'idée. C'est vrai que Joris fait forte impression, vraiment devant là. Allez, pressing. Voilà, pressing très haut, il n'y a pas de hors-jeu. Romain Perret maintenant. Techniquement, là aussi c'est propre. La bite dit rien. Yanis Chaïb qui repasse derrière pour Antonin Marcin qui va mettre sur Lilian Capona. Ouh, on est parti pour tenter une chose très difficile là une nouvelle fois chez Joris Mancant. Aïe 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 aïe, on demande le changement. Ouais, dommage, ouais. C'est Pape Führer qui sort. Alors ça, c'est Pape Führer qui sort côté lyonnais. Et la rentrée, donc, de Thiem Agey. Ah, étonnant, parce que Pape Führer a fait un... Bah, peut-être fatigué aussi. Il a fait une grosse saison, Pape Führer. Très grosse saison. Et on demande le changement. Et on va revoir. Hein. Petite balle piquée ici de Lilian Capona. Et derrière. Ouais, ça a tiré. Mal retombé, j'ai l'impression. Ouais, donc Thiem Agey, hein, cette année, qui a lui aussi été beaucoup appelé. Dans le groupe aussi de la Gambardella, fait plus de 17 matchs avec les U17. Alors, je ne sais pas où on s'est blessé. J'ai l'impression qu'on est mal retombé du côté du... Et c'est le numéro 14 qui va rentrer. Ah, c'est le pauvre Thomas Fragassi. Capitaine qui est mal retombé là sur cette action. Ah, c'est dur. Ah, on perd une de ses pièces maîtresses. Et donc la rentrée de Mathis Romder. Qui va prendre l'axe droit en défense. En défense donc centrale avec Anthony Khalifa.
Mais attention que ça désorganise pas tout. Allez, Lucas là, qui reste debout. Ça va très vite. Hein. Lucas Coucou très très vite. Oh là là. On a du mal à le suivre là. C'est Yanis Chaim qui a beaucoup de mal derrière. Voilà. On est tombé dans la surface. L'arbitre qui ne dit rien. Attention, Romain Perret. On passe derrière Antonin Marcin. Ouais, l'arbitre qui va arrêter. Est-ce que c'est Anthony Fos qui est tombé? Alors, on dirait que c'est Anthony. Ah, ouais, c'est difficile à siffler quand même. On va arriver à l'heure de jeu déjà. On rappelle normalement qu'il devrait y avoir une pause fraîcheur dans quelques minutes. Donc déjà un changement de chaque côté. Allez, Jérémy. Pour Lilian. Pour l'instant, cette défense là, loin devant. Petite balle piquée, pourquoi pas. Attention à pas la perdre celle-là. Attention à la perdre. Enzo Molebe. Ouais, on a l'air de tomber de plus en plus là. Je pense qu'on est fatigué. Le moindre petit contact maintenant qui fait mal aussi. Cette fois-ci, c'est, je crois que c'est Anthony. Anthony Khedifa. Ouais, c'est le contact avec Enzo Molebe. C'est pas du bien. Allez, espérons qu'il n'y a pas de blessure quand même. Allez, Anthony qui se remet debout. Et pendant ce temps, vous l'avez vu, hein, Mathis Romder là, qui essaye de se chauffer. Je crois qu'il n'a pas vraiment eu le temps. Il ne s'attendait pas forcément à rentrer tout de suite. Le défenseur ajaxien. On le voyait faire des petites montées de genoux là. Le voilà qui va toucher un de ses premiers ballons. Il sort, hein, tranquille. Ça ne fait pas peur. Allez, longue ouverture pour de Nicolas Aiello. Très bon ballon pour Moussa Soumano. Dommage, contrôle un petit peu manqué. Et Nicolas Aiello qui joue avec Lucas Cucu. Qui la monte. Il va rentrer dans la surface. Il y a une solution dans l'axe. Il l'a vu, c'est Moussa. Moussa qui va décaler côté. On essaie de travailler en une doigt. Ah, c'est dur. Dieu que c'est difficile celle-là avec Anthony là. Anthony Fos qui a voulu jouer le 1-2 avec Dorian Gustave. Mais vraiment pas simple. Et Mathis Romder pour Anthony. Mais il arrive, il en touche du ballon. Mathis Romder là, loin devant. À chaque fois, c'est très bien fait, il trouve tout le temps. Moussa Soumano. Ah, il y a une solution. Il y avait une solution à droite. Il y avait Lucas qui était seul. Lucas était seul là. Mais des belles ouvertures là de Mathis qui permet d'allonger le jeu. Le nouvel entrant là du côté d'Ajaccio. On joue en pointe, on joue de manière assez directe. Hein. Mais peut-être le plus simple aussi maintenant. Quand on voit comment les deux équipes se sont effondrées, enfin surtout Paris, hein, lors du match précédent, au niveau de la fatigue et de l'énergie, on devrait avoir un scénario un petit peu similaire, même s'il doit faire un peu moins chaud qu'en plein milieu d'après-midi à Borgo. Maintenant qu'il est 19h à peu près. On sent que les passes font un petit peu plus lourd pour ceux qui sont déjà sur le terrain depuis une heure. On est content de prendre l'ombre là. Hein. Je veux, tous ceux qui jouent côté gauche à Lyon ou côté droit à Ajaccio, on est content. Allez, Anthony, pas de prendre de risque. Oh là 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 là. L'arbitre qui laisse jouer, c'est très bien fait. Allez, il y a un petit coup là. Allez. On va décaler. Mathis Romder qui va jouer sur Nicolas Aiello. Nicolas qui décale. Pour Lucas Cucu qui l'emmène. C'est très bien fait. Ce qu'il arrive à faire entre les deux joueurs. Oh, et derrière on s'est enfermé. Dommage. Fallait peut-être la donner tout de suite. C'était monstrueux. Passer entre les deux par la petite fenêtre. Regardez ça et ouf, ça passe. Ah, splendide. Et derrière la très bonne défense de Jérémy Rimounces. Le capitaine là. Très bien défendu du côté de Lyon.
Mais quel numéro là de la part de Lucas Cucu là, qui est vraiment partout. En train d'être de plus en plus dangereux sur son côté droit, le joueur d'Ajaccio. Lui qui joue à Bastia avant. Et là. Oh, très propre ça. Parce que c'est Dorian Gustave qui a fait tout ça. Ouais, Dorian Gustave là qui a plus de solution. Là. Il est entre 5 Lyonnais. Enzo Molébé très bien fait. Pour Yanis. Oh, très beau ça ce que vient de faire Yanis Chahine. Monstrueux. Quelle technique. Quelle technique de la part du numéro 11 de l'OL. Ah, ça régale à chaque fois. Un plaisir pour les yeux. Plaisir d'offrir. Ouais, le ballon qui est perdu par Thiem Agueil. Ah, difficile de rentrer dans ces matchs aussi. Il faut vraiment tout de suite prendre se mettre à la bonne température. Moussa Soumano, maintenant à lui. On va essayer de faire travailler la défense rhodanienne. Ça pèse bien. Oh là 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 là, qui va dire rapide pénalty. Pénalty. Ah, ça a l'air d'être très bien joué de la part de Moussa Soumano. Ah, Jérémy qui est forcément pas d'accord avec la décision arbitrale, mais regardez, hein. Ah, il la pousse très bien joué, très bien joué. Il y a pénalty normalement, il y a péno. On joue pas la balle du côté de Jérémy Mounsès, c'est dur. Parce que le capitaine pour l'instant a fait un match parfait. Et donc c'est Anthony Fauss qui va se charger. De ce tir au but capital à la 67e minute en face Justin Bengui Joao à l'Olympique Lyonnais depuis 2016, lui qui est passé par Villefranche. Attention, oh le bel arrêt. Et en deux temps, le double arrêt de Justin. Le magnifique double arrêt de Justin Bengui Joao. Et ça va peut-être réveiller les Lyonnais derrière, attention. Allez, Mathis Romner qui la monte. Ouais, très bel arrêt, hein. Très très bel arrêt, parce qu'il était bien tiré ce péno. Il était très bien tiré ce pénalty, très bel arrêt, regardez. On bouge bien, on part du bon côté. Oh la superbe Mimine, solide. Et la pause fraîcheur donc qui va arriver pour les deux équipes au moment de ce pénalty. Après, il va falloir le digérer maintenant, on le rappelle. Hein. Vous le mettez forcément, vous voyez, on voit la déception d'Anthony là. Qui a mis un petit coup dans la bouteille, on le comprend, il est dégoûté. Ah, c'est dur, c'est dur. Allez, il y en aura d'autres peut-être pour Anto. Et quel arrêt de Justin Bengui. Il le tire bien, ras du poteau. Il ne peut pas trop s'en vouloir. On est parti du bon côté, du côté du portier rhodanien. Ah, ils ont un vrai coup à jouer pour l'instant. Et à noter le dernier entrant du côté d'Ajaccio, hein, Mathis Romder, qui lui est passé par Villiers-le-Bel et l'AS Sarcelles. L'excellent club de Sarcelles en région parisienne. Et après, parti tenter sa chance du côté d'Ajaccio. Sarcelles qui a d'ailleurs signé un partenariat avec un club allemand, avec Hoffenheim, je crois, dernièrement. Ouais, ça va rebooster les Lyonnais, hein, qui étaient... aussi un peu comme Paris en première lors du premier match, hein. Un petit peu en position attentiste. Et ça va les booster. Attention, sortie du numéro 2. Ouais, c'est Steve Kango qui va sortir, qui va laisser sa place à Mathis de Carvalho du côté lyonnais. Ouais, c'est dur, je crois que c'est... Ouais, dégoûté, ouais, c'est Anthony qui sort. Voilà. Mathis de Carvalho. Donc. Qui
qui est rentré à la place de Steve Kango et donc sorti d'Anthony Foss, remplacé par Carlu Antu Savelli. Carlu Antu Savelli. C'est normal, hein, on a besoin là de... Les trois changements seront effectués de toute façon. Allez, on va jouer sur Yanis Chahib. Il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas de déchet chez Yanis. Derrière Joris Mankan. Ballon perdu. Ouais, dommage. Le milieu de terrain d'Ajaccio qui commence à fatiguer aussi. Forcément. Ouais, du côté de Yassine Souidamed. Commence à tirer un peu. Une nouvelle fois, à chaque fois, sur l'homme fort. Ah ben voilà. Tenter la petite roulette là, qui n'est pas passée. Nicolas Aiello qui, certes, on voit toutes les couleurs, mais pour l'instant, qui arrive à tenir la menace Yanis Chahib. C'est Mathis de Carvalho qui est tombé à terre. Voilà, c'est lui qui la récupère. Allez, Ricardo Coutinho. Ouais, bien fait. On la met dehors là. On la met en sortie. Le but du côté d'Antonin Marcin. Il va rester un petit 20 minutes. Sinon, ça sera des tirs au but. Carlo Anto Savelli aussi qui est passé par Bastia, hein, lui aussi. Ouais, dommage pour Dorian Gustave qui avait cherché une nouvelle fois Ricardo Coutinho. On aura bien fonctionné sur les côtés, hein, du côté d'Ajaccio. On a beaucoup vu... Les joueurs de couloir, Dorian Gustave, Ricardo Coutinho, du côté gauche, Lucas Coucou, du côté droit. Allez, Romain Perret, on va repasser derrière. Oh, c'est très bien fait. On va te mettre le feu là dans cette défense rhodanienne. On l'a tenté direct, c'était propre là de la part de Moussa Soumano. Pas simple, mais la frappe était limpide. Au 20 mètres, regardez, même plus qu'au 20 mètres, hein, 25 là, ouais, un bon 25, facile, parce qu'en plus on est sur le côté. Ouais, je suis gentil avec mes 20 mètres. Avec les deux pointes maintenant. Là devant, on a justement Carlu Anto. Et Mathis Romder qui la dégage. Sur Lucas Cucu, il y a une petite faute là. L'arbitre qui ne siffle pas parce que le ballon est gardé par Ajaccio. Ouais. Yassine. Ouais, c'est bien fait. La part de Yassine ici. L'arbitre qui ne siffle pas. Et là, il y a un gros coup à jouer. Ah, c'est Nicolas Aiello qui est pris. L'arbitre ne dit rien. Et la contre-attaque derrière. Attention, Romain Perret. En pointe pour Joris Mankan. En pointe pour... Hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Ouais, ça tire. Ça tire dans tous les sens. Je crois que c'est Anthony Khalifa. Anthony Khalifa qui a des crampes. Voilà, on a combien de joueurs à terre? 1, 2, 3, les crampes de partout. Ils se donnent à fond du côté d'Ajaccio. On ne va pas se mentir dans la puissance de ces deux groupes.
Il y a moins de turnover forcément chez Ajaccio que chez l'Olympique Lyonnais. J'avais Amaury Barlet qui me dit j'ai une saison, j'ai eu plus de 30 joueurs différents tout au long de la saison. Imaginez-vous du côté de Lyon, quand forcément du côté d'Ajaccio on doit tirer sur les organismes. Et on n'en peut plus. Un groupe plus restreint, c'est certain. Ouais, c'est mort. Ouais, ouais. Ouais, ils donnent tout là. Ils sont en train de tout donner. J'espère qu'on va pouvoir finir le match quand même. À 11. Parce qu'on a déjà fait deux changements. Ouais, on est crampé. Hein. On est crampé sévèrement. Et deux doubles changements. Hein. Double changement. Attention. Qui est sorti, numéro 5 je crois. Alors rentrée du numéro 12 du côté de l'Olympique Lyonnais. Ali Alamine à la place de Romain Perret je crois. À la place de Romain Perret. Ouais, qu'on ne voit plus sur le terrain. Romain. Non, je ne le vois plus. On ne voit plus le numéro 8. Donc ça, c'est bon. Et donc, du côté de l'Ajaccio, l'entrée de Nino Hermini. Et donc, Nino Hermini qui aurait remplacé peut-être Yacine. Yacine Souidamed qui avait l'air de ne plus en pouvoir. C'était un des deux au milieu, soit Yacine, soit peut-être Owen. En tout cas, Lucas Cucu, lui, est toujours là, toujours encore la patate pour arriver à vous faire des centres au cordeau. Monstrueux. Il aura donné, hein. S'il y en a bien qui a donné sur son côté droit, c'est bien Lucas Cucu qui a vraiment donné le maximum. Et qui a l'air encore d'avoir de la fraîcheur. Et lui aussi, hein, Yanis Chaïb, beaucoup donné. Allez, Dorian Gustave pour Ricardo Coutinho. Voilà, donc là, un des premiers ballons touchés par Nino Hermini. Donc Nino Hermini qui va prendre le côté gauche, légèrement à gauche. Ouais, qui va prendre même mieux que ça, qui va jouer milieu. Normalement, s'il a remplacé Yacine, ouais, il va être au mitard, il va être au milieu. Allez, on essaie de faire sortir le groupe. Le bloc surtout, on monte le bloc le plus haut possible. Allez. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. On est dans le dernier quart d'heure. Nicolas Aiello, on va rendre le ballon à Lyon. Donc les trois changements ont été faits. Le numéro 12 est rentré, donc Carlu Anto. Nino est rentré et Mathis Romder. Allez, Antonin Marcin, ballon perdu, mais derrière qui est là? Yanis Chaïb, très bien centré. Et voilà l'ouverture du score d'Enzo Molébé. Il y a hors-jeu apparemment. Où il y aurait peut-être une faute commise. Il y aurait peut-être une faute qui a été commise, je pense, plus qu'un hors-jeu. On va revoir, à vous de vous faire votre idée ici. Pour l'instant, tout semble OK. Hors-jeu sûrement, plus qu'autre chose. Ouais, c'est hors-jeu, c'était ce qui a été sifflé par Monsieur Robin Ingrand. Une nouvelle fois, on fait confiance à l'arbitre, bien évidemment, comme toujours. On respecte les hommes au sifflet. Important, on en a besoin sur un terrain de football. Pas d'arbitre, pas de foot. La petite passe en profondeur, on cherche encore une nouvelle fois devant.
Ça devient plus brouillon, ça devient du beaucoup de jeux en long ballon. Alors il y a Lilian Coppona, donc finalement qui préfère poser. On préfère poser le jeu. Mathis de Carvalho. Hein, qui essaye de prendre un petit peu le jeu à son compte dans au milieu de terrain. Et Enzo Molebe. Timothée Vieille, long dégagement. Attention, on va être obligé. Ouais, voilà, il a compris. Enzo Molebe, forcément, on gagne du temps hein, maintenant. Ajaccio, à chaque fois, ils ont l'habitude des séances de tir au but. Hein. Ils en ont joué plus d'une cette année en Gambardella et en U17. On rappelle, en Gambardella, ils sont passés deux fois au tir au but. Contre Marseille et contre Amiens. Ouais, Dorian Gustave pour personne. Déviation de la tête de Enzo Molebe. On va essayer de retravailler encore un petit peu. On joue de l'autre côté très bien. Pour qui j'aurais... Oh, si c'est fait volontairement, c'est monstrueux. Yannis Chaïb, une vraie occasion. Il n'y a personne dans l'axe. Dommage, Joris Mankan qui n'a pas pu passer devant son défenseur. Et derrière la contre-attaque. L'inévitable kill, il y va. Lucas Cucu. Mais belle défense d'Antonin Marcin. La balle qui ne sort pas. La balle est vivante. Mathis de Carvalho. Pour ceux qui sont rentrés, là, qui doivent apporter quelque chose. Thiemma Gueye. Pour Mathis de Carvalho encore. J'imagine qu'on attend beaucoup de la part d'Amaury Barley, de ses joueurs entrants. Ouais, Timothée, encore une nouvelle fois, qui va refaire la même. C'est une bonne guerre. Si à chaque fois on prend 15 secondes et vous le faites 5 fois, vous avez déjà gagné une minute 15. Plutôt bien joué. Et Lucas au deuxième pour Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho encore qui va jouer avec Dorian Gustave. Ils auront très bien combiné tous les deux sur ce côté gauche. Mais la défense quand même de Lyon, il faut le noter, quand même très sereine. Allez, Enzo Molebe. Il y a une grosse faute. L'arbitre l'a vu. L'arbitre a vu. Il y a une grosse faute sur Enzo Molebe là. On lui a pris le maillot et le bras. On s'excuse. Donc c'est Owen Martinez qui était à l'origine de cette faute. Allez, Antonin Marcin. On sent le futsal là, vous l'avez vu là-dedans. On repasse derrière. Avec Yannis avec la défense hein, très sereine. Lilian, Yannis et Jérémy pour l'instant. Qui ont fait le boulot pour assurer tout le monde. Là, sur cette deuxième mi-temps, l'avantage est comme du côté de Lyon en termes d'occasion. Même sur le match, hein, globalement, maintenant, il y a des vrais contres hein, effectués par Ajaccio. Allez, Mathis de Carvalho. Pour Lilian, Mathis. Ça serait le piège, hein, quand même, pour l'Olympique Lyonnais d'arriver au tir au but. Ouh là là, c'est court, ça. La passe qui est restée dans les chaussettes d'Antonin Marcin. Et derrière, Ricardo Coutinho. Et on fait le boulot pour venir défendre là, du côté d'Ali Alamine. Allez, faut y aller jusqu'au bout. Ricardo Coutinho qui a toujours la balle devant Lignan. Et ça va être un corner. Attention, 84e. Et tout le monde s'attire. Regardez ça, un écran pour tout le monde. C'est fou. Ricardo Coutinho, tout le monde est en train de retirer les chaussettes. Bon coup de pied arrêté. Une vraie occasion pour Ajaccio, ils en ont un petit peu moins. Ah, ça a l'air dur, mais au deuxième poteau, pourquoi pas travailler l'entraînement. Et Yannis Chaïb qui est venu mettre sa tête. Nicolas Saiello qui décale. Très bien fait. Lucas Cucu au deuxième.
Mais Jérémy qui met une énorme ogive. Joris Mankan très bien défendu, mais il y a une petite mimine là-dessus. Et encore un coup de pied arrêté dangereux. On va pouvoir la remettre dans la boîte du côté de la CA. Et toujours Owen Martinez, hein, à chaque fois. Owen Martinez. Oh, elle est bien travaillée encore. C'est bien fait, vraiment. Et ce sera pour Ajaccio. Il y a des tribunes pleines ici à Borgo. Le public qui a répondu présent. On m'a dit que du côté d'Amnéville, hein, qui organise les demi-finales du championnat U19, c'est la même chose. Je rappelle que les finales auront lieu la semaine prochaine du côté de Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc, si vous n'êtes pas très loin, n'hésitez pas. Si vous êtes de région parisienne ou du Grand Est ou des Hauts-de-France, de toute façon, un petit peu partout, vous n'êtes pas très loin. Vous voulez voir les deux belles finales qui vont vous être proposées. Là, on a des belles équipes, que ce soit Lyon ou Ajaccio de toute façon, face à un très beau Toulouse. Quoi qu'il arrive, on se régalera. Et le coup franc est très bien fait. Encore très bonne sortie. On rassure ses hommes. Il a une faute de main, hein, en première mi-temps. Mais sinon, pour le reste... Copie parfaite de Justin Benguidjao qui doit tout doucement doit être en train de se dire, tout comme Timothée Vieille, la séance de tir au but qui s'approche. Quelques minutes à jouer. Et forcément ça trotte hein, dans la tête des gardiens. Toujours un petit peu particulier d'un côté. Bah, on a envie de la connaître hein, ces moments où on se met en lumière. Du côté des deux portiers, mais bon, si ça marque du côté de son équipe, on va pas s'en plaindre non plus. Et toujours excitant pour un gardien, forcément une séance de tir au but. Surtout en demi-finale du championnat de France U17. Pas tous les jours, hein. Ils n'en joueront pas 50. Allez. Ouais, Julien Bengala là, qui avait récupéré la balle. Allez pour Ajaccio, dit-il. Les consignes, te fais pas lober, Antonin. Moussa. Oh, la qualité de centre de Moussa Soumano, là encore. Splendide. Et maintenant, Dorian Gustave. Ah, c'est le siège sur les buts de Lyon, hein, sur cette fin de match. Lyon, tout doucement, là, qui a reculé. Et la balle qui sort pas. Ouais, doucement, voilà, tranquillement. C'est Maguey là qui pensait que la touche était pour Lyon. Il n'y a personne, on parle bien. Justin Maguey qui a bien communiqué avec ses coéquipiers derrière. Dégagement très tendu, trop tendu presque. Récupéré par Nino Hermini. Nino Hermini encore là. Belle fente. Ouais, il la garde bien. Très bien joué la part du milieu de terrain qui vient de rentrer là, le milieu de terrain d'Ajaccio. Nino Hermini. Passé par le Burel FC, Nino. Qui est un 2006. Hein. Attention. Et 2006 du côté d'Ajaccio, donc c'est-à-dire ceux qui seront encore U17 l'année prochaine. Ricardo Coutinho, on a Mathis Romder qui vient de rentrer comme Nino Hermini. Et Timothée Vieille dans les buts, hein, qui sera encore U17 l'année prochaine, hein, le gardien d'Ajaccio. Allez, on a besoin de
On a besoin de s'hydrater, alors que le soleil maintenant est tombé. Hein, sur, alors pas, c'est pas la nuit non plus, hein, il ne fait plus. Mais en tout cas, il n'éclaire plus directement le stade. Sûrement caché par la belle montagne corse. Je dis peut-être une grosse bêtise, hein, parce que bon. Mais c'est peut-être un énorme nuage, hein, qui est tout simplement en train de cacher le soleil. Allez, dernière minute. Yann Coppona, loin devant, très bon ballon. C'est très bien fait. Solution de l'autre côté pour Yannis Chaïm. C'est peut-être pour la victoire. Oh là là là, la grosse défense de Nicolas Yello là. Il fallait le faire. Grosse défense du latéral droit. Ouais, Mathis de Carvalho, on repasse derrière. Yannis Chaïm prend son temps au deuxième. Anthony Kilifa qui ne se trompe pas. Mathis de Carvalho qui était en combat avec Nino Hermini, mais finalement c'est Ajaccio qui la garde. Il y a un duel entre les deux hommes forts, hein, de ce match. Lucas Kukou et Yannis Chaïm. Thiemma Gueye pour Joris Mankan. Joris Mankan qui la garde. Ah, il avait quand même une solution, il aurait pu la garder. Oh, il la garde jusqu'au bout. Ouais, on est un petit peu saoulé là pour certains. On aurait aimé qu'il la donne. Il y avait Ali Alamine qui proposait une solution. Et derrière, Moussa. Moussa encore. Oh, mais on est dur à prendre. Moussa qui va jusqu'au bout. Jusqu'où va-t-il aller, Moussa? Ah, ça avait l'air d'être bien défendu. Hein. On a mis le pied correctement. Et long dégagement sur Enzo Molebe et hors-jeu. Hors-jeu et on est retombé dessus. Ouais, c'est Anthony Khalifa qui est retombé sur Enzo Molebe. Et donc les amis, si vous aviez encore 10 minutes à nous accorder, bien restez parce que ça risque d'être la séance de tir au but. Est-ce que l'arbitre a sifflé? Non. L'arbitre n'a pas sifflé. Ah, et c'est Moussa dans la surface, d'accord, qui s'est blessé. Regardez ça, la belle percée. Ouais, non, défensivement, c'est propre ce que fait Jérémy. C'est Jérémy qui l'enlève la première fois, qui enlève le ballon. Après, ça rebondit, ça fait un peu billard. Mais voilà, parce qu'il y avait, pas besoin de siffler ici. Vraiment très bon arbitrage de Monsieur Robin Ingrand. Qui forcément lui aussi est supervisé et qui fait un très bon match. Très propre. Trois minutes de temps additionnel. Je voulais attendre, essayer d'entendre le speaker. On nous annonce 3 minutes de temps additionnel. Donc. Ouais, Justin qui le sait, qui essaie de jouer vite derrière, en espérant qu'il y ait une dernière munition pour les Lyonnais. Mais Ajaccio aura fait le boulot. Faut le reconnaître, un très bon Timothée Vieille dans les buts, une belle défense. On aura été solide sur les côtés, un bon Moussa Soumano devant du côté de Ajaccio. Mais attention, la dernière. Oh là 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 là. Encore une nouvelle fois, le danger est venu par... le monstrueux Yannis Chaïm, côté gauche, grand pont s'il vous plaît. Ah, il en aura vu toutes les couleurs, hein, ce pauvre Nicolas Agnello, mais il aura tenu. Vraiment bravo à lui, parce que c'est pas simple de défendre pendant 90 minutes sur Yannis Chaïm, et il l'aura fait. Et derrière c'était Enzo Molebe, mais bon c'était difficile quand même ce ballon, c'est de se jeter pour la toucher. Allez, dégagement, l'ultime dégagement sûrement de Timothée Vielle dans cette demi-finale. L'arbitre laisse jouer encore peut-être la dernière. Pour qui? Ricardo Coutinho peut-être? Non, Ali Alamine.
qui va dégager. On cherche Enzo Molebe, mais finalement c'est Anthony Khenifa. Encore Ali Alamine. Il y a une solution côté. Il y avait une solution côté. Jérémy pour Lilian. La défense de... qui arrive à la garder, pourquoi pas. Ouais, Enzo ici ça commence à tirer. Hein. Ouais, solide. Jérémy, il aura fait vraiment un très bon match. Hormis le... Allez, hormis la faute, hein, il y a le pénalty, on le rappelle, hein, le pénalty qui reste comme la grosse action de ce... On l'a presque oublié tellement il a été serein, Jérémy, Justin Bengui Joao dans les buts. Mais il y avait une vraie faute de Jérémy Mounsès, pardon. Voilà, Lilian, très serein. Lilian Coppona. Et ça reste la plus grosse occasion de ce match avec la barre de Joris Mokon. Et bien voilà, les joueurs n'en peuvent plus, ils sont éreintés. Ils ont tout donné, aussi bien du côté corse que du côté rhodanien. Mais maintenant, il va falloir la jouer celle-là. Il va falloir la jouer, cette grosse séance de tir au but. Allez, on demande bien sûr aux acteurs de rester sur le terrain. Par contre, on demande aux joueurs remplaçants de rester en dehors. Et donc on va en reprendre un petit peu. Et Dieu que c'est bon à vivre. Cette grosse séance de tir au but. Alors, avait tiré lors du match précédent, puisqu'on le rappelle, hein, bien sûr, qu'il y a une séance de tir au but entre Lyon et Angers. On rappelle un 4-4 après le temps réglementaire et 4-3 du côté des tirs au but. Et donc, on tirait du côté de Lyon. Pape Führer, mais Pape Führer est sorti. On avait Yanis Cheikh qui est sur le terrain, qui a tiré, qui l'avait mis. Romain Perret avait tiré, mais il a manqué. Enfin, avait tiré, il l'avait mis, mais il n'est plus sur le terrain. Pardon, autant pour moi, il n'est plus là. Tim Agueil l'avait mis. Et on avait donc, le dernier tireur était Yanis Chaïb. Voilà, on en avait mis 4 sur 5. Mais le souci, c'est qu'on a parmi tous ces joueurs, déjà deux joueurs qui ne sont plus sur le terrain. Donc normalement, est-ce qu'on va faire retirer Tim Agueil et les deux Yanis du côté de l'OL? Alors, on est en train de préparer la liste. On aime bien souvent, alors ça va dépendre des coachs. Il y a des coachs qui aiment bien faire tirer les joueurs, les remplaçants qui viennent de rentrer, qui sont plus frais, qui ont des idées, on va dire, un petit peu plus claires. Ouais, on voit la main levée. Je peux vous dire qu'il y en a un qui veut lever la main. Il y aura Joris Mokan, les amis, je vous le dis, qui veut tirer. Joris Mokan, on a vu Yanis Chaïb. J'ai cru voir Mathis de Carvalho. Et en face, on lève la main aussi. Bien évidemment, Moussa veut tirer. On a Anthony Khenifa qui veut tirer. On a Ricardo Coutinho qui voulait tirer aussi. Par contre, on va tirer à pas, j'ai l'impression, du côté de Owen Martinez. On s'est blessé aux côtes. Il a l'air de... tout à l'heure... Et Owen Martin, il se met une poche de glace. Alors, c'est au bras. Vous allez me dire, Benjamin, au bras, ça peut tirer. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est lui qui tire tous les coups de pierre, était du côté d'Ajaccio. Maintenant, est-ce que du côté de Julien Bengala, on va vouloir le laisser tirer avec quand même une blessure au bras? Est-ce qu'il veut tirer lui aussi? C'est la question. Est-ce qu'il est sorti du côté de... est sorti du côté d'Ajaccio? On avait fait sortir Yacine. On avait fait sortir Anthony. C'était qui avait loupé le pénalty en plus. Donc c'est pas terrible généralement mentalement d'arriver à le refaire tirer derrière. Et on avait fait tirer sorti Tom. Hein, Tom Fragassi, capitaine, qui était sorti aussi. Capitaine. Non, le capitaine n'est plus Tom Fragassi maintenant, mais bien évidemment Anthony Khenifa. Et on tire où? Droite, gauche, gauche, droite. Il ouais, n'y bon, a pas une grosse importance, c'est pas comme s'il y avait un énorme cop de chaque côté. Bien évidemment,
Alors, on va demander au gardien. Généralement, on va demander à, voilà, on va demander à Timothée. Timothée Viel. Alors, d'un point de vue, on va dire de la confiance côté gardien, bien évidemment, Justin Benguidjo avec son coup de son penalty arrêté. Voilà. Mais on se check. Très bon état d'esprit entre les gardiens. Comme toujours, un poste à part. Justin Bengui qui arrêtait le pénalty durant le match. Maintenant, c'était pas lui qui était dans les buts la semaine dernière. Hein, je le rappelle aussi. C'était Matteo Pereira dans les buts de l'OL. Et donc, on aura choisi le but côté mer, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, si c'est bien la mer qu'on voit derrière. J'ai l'impression que oui. Allez donc. Qui va tirer en premier? L'Olympique Lyonnais sûrement. Parce qu'ils ont choisi de tirer en 1. Mini là qui a dû rentrer au moins un bon gros quart d'heure. J'ai l'impression qu'il a joué tout le match tellement il a l'air d'être lui aussi fatigué. Grosse chaleur encore, ce sera peut-être pas la même température la semaine prochaine du côté de Saint-Quentin. Ajaccio aura fait le boulot jusqu'au bout pour faire douter les Lyonnais et avoir une possibilité d'aller chercher la qualification, une qualification historique en finale de ce championnat de France U17. Une nouvelle mouture qui existe depuis 2009-2010 maintenant. Remportée par Sochaux, le Paris Saint-Germain trois fois, Lens, l'AS Saint-Etienne, Lorient, le Stade Rennais et Nantes. Le dernier vainqueur en date, hein, le FC Nantes en 2019. On le rappelle. Le FC Nantes, vainqueur forcément en 2019 et après on a eu deux années de Covid. Il n'y a pas eu de champion. Angers avait été désigné. C'était en 2019, hein, en U19 qui a été désigné meilleure équipe. Et bien voilà, il avait tiré la semaine dernière. Il va retirer en premier. Yanis Cheik, le défenseur gauche. Alors on rappelle la règle de rester bien sur sa ligne pour Timothée Vieille. Avec les encouragements du public. Oh, et la barre d'entrée. La barre d'entrée donc. Pour sauver Ajaccio. Pour donner l'avantage à Ajaccio. Et donc c'est ça, c'est les remplaçants qui vont tirer. Du côté d'Ajaccio, puisque c'est Carlu Anto Savelli. Lui qui est rentré dans le match. Lui qui est passé par le Sporting Club de Bastia. Carlu Anto Savelli. Très bien tiré. Mathis de Carvalho à son tour. Mathis de Carvalho qui est rentré en jeu. Lui qui a beaucoup joué cette année avec les U17, une vingtaine de matchs, qui était appelé dans le groupe de la Gambardella. Qui n'était pas là pour la finale, mais qui a joué deux matchs cette saison en Gambardella. Mathis de Carvalho. Ouais. Bien tiré là au record, côté opposé, qui va encourager, donner un peu de force à son gardien, à Justin. Et lui.
qui a été partout sur son côté droit. Lucas. Lucas Cucu qui était dans tous les bons coups. Qui a donné le tournis à la défense de Lyon. Lui aussi passé par Bastia. Lucas Cucu. Ouais, très bien tiré encore. Pour l'instant, hormis la barre, un 3 beaux pénaltys. 2-1 pour Ajaccio. Attention, troisième tireur. Celui qui imposait une présence physique devant incroyable. Qui a tapé la barre. Qui a été impressionnant tout au long de la saison. Pour l'Olympique Lyonnais. 18 buts en 20 matchs avec les U17 cette saison. Pour Joris Mankan. Qui a joué le quart de finale U19 la semaine dernière. Joris Mankan. Ouais, tranquille. Mais pour l'instant, du côté de Timothée Vieille, on a décidé de partir toujours du même côté. Hein. On part sur son... on plonge à droite. Et on parle de présence physique devant, mais aussi du côté d'Ajaccio. Il a fait un match plein. Il a pesé lui aussi énormément. Moussa Soumano. Lui qui est passé par le Red Star avant de venir à Ajaccio, qui a fait partie de la Urban Jeunesse Academy. Qui a été très propre aujourd'hui, qui a fait 90 minutes parfaites quasiment. Et il la met bien sous la barre. Très bien joué de la part de Moussa Soumano. Et là maintenant, va pas falloir manquer. Quasiment capital. Et on va faire tirer encore un remplaçant. Comme souvent, on aime bien Thiema Gueye, qui avait tiré la semaine dernière. Il l'avait mis. Oh, la pression sur les épaules de Thiema Gueye. Lui aussi dans le groupe en Gambardella. Lui aussi nombreuses fois buteur cette saison. Thiema Gueye. Ouais, à chaque fois, hein, on a décidé de partir tout le temps à droite du côté de Timothée Vieille. C'est son idée. Très bien joué. Et c'est le capitaine. Alors, c'était pas le capitaine au début du match, mais ça l'est maintenant. Un colosse derrière Anthony Khalifa. Passé né à Marseille. D'origine algérienne, Anthony Khalifa. Passé par le Gazélec. Un pénalty ultra important. Alors, c'est pas pour la qualification, les amis. Attention, hein, c'est le quatrième seulement. On en a loupé qu'un pour l'instant du côté de l'Olympique Lyonnais. Capitaine au début du match, bien évidemment. Tom Fragassi qui aurait aimé tirer. Mais qui est sorti. Anthony Khalifa. Oh là là, parfait encore. Et là, la pression à 50 000 bars. Avec tout le public, forcément. Hein, qui est pour Ajaccio. L'énorme pression. Qui va tirer en dernier ? Suspense. On attend de le voir apparaître. Et donc, ah, quasiment le meilleur Lyonnais. En tout cas, c'est mon avis. Je les trouve vraiment énormes aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais il a régalé. Vraiment, il a régalé sur son côté gauche. Sur son côté gauche, pardon, excusez-moi. Yanis Chaib. Ouais, très bien tiré. Passé par le FC Charvieux-Chavagne. Qui a joué en U17 un match. Hein, qui a été dans le groupe un moment. Qui aurait pu espérer peut-être partir avec... avec les copains de l'équipe de France. On n'en a même pas parlé dans ce match. J'en ai parlé dans le match précédent. Mais c'est vrai, hein, un gros absent du côté de Lyon. Bien sûr, l'absence de Mamadou Sarr. Qui...
qui joue avec l'équipe de France. L'équipe de France qui jouera demain sa demi-finale contre le Portugal. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule chose qui intéresse. Allez, important ce péno. Oh, c'est Owen. C'est le joueur de Gap, c'est Owen Martinez. Qui est passé par Gap, qui est passé par le petit club de la Rennes Sport Football. Son grand-père en était le président pour la qualification. Et c'est fait. Qualification de l'ACA. C'est historique pour la première fois. Ils iront à Saint-Quentin affronter le Toulouse Football Club. On s'attendait à un énorme Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais en finale, et bien non. Les outsiders ont fait le boulot. On aura donc un énorme Toulouse FC contre la CA. Ça sera monstrueux la semaine prochaine en direct, bien évidemment, sur la FFF TV. À ne pas manquer, si vous n'êtes pas loin de Saint-Quentin, n'hésitez pas à venir voir ça. Ah, ils ont tout donné. Ah, les deux équipes, vraiment, on a eu un très beau match. Il y a des mauvais 0-0, comme on dit, hein. Je paraphrase les grands commentateurs, mais c'était un beau 0-0. On s'est régalé pendant 90 minutes. Les joueurs avaient plus rien dans le short. Des crampes de partout. Et la joie donc pour le club d'Ajaccio. Les deux équipes auront tout donné. Et avec ce groupe restreint, pas évident, ouais, forcément la joie de Julien Bengala. Ils auront donc un match de fou à jouer la semaine prochaine, le titre, tout simplement. Et on doit être déçu du côté de l'OL, c'est certain. Mais un beau groupe, hein, vraiment un très très beau groupe, cet Olympique Lyonnais. Des joueurs iront forcément très très loin. On va revoir Owen Martinez, le tireur de coup de pied arrêté. Il y a plus mal, hein. On a plus mal à la côte, on a plus mal au bras, à l'épaule. L'adrénaline l'emporte. Ouais, magnifique, magnifique, magnifique. Donc restez connectés bien sûr, hein, sur les réseaux de la Fédération Française de Football pour les horaires. Un match samedi, un match dimanche. Je pense qu'on ouvrira le bal avec le U17 sûrement. Et puis demain, ne manquez pas la dernière demi-finale de ces championnats de France, toujours du côté des nationaux, mais des U19. Allez, pas d'embrouille les amis, que ça se finisse bien, hein, tranquillement. Finissons calmement. Forcément, il y a un petit peu de déception. Sur ce, on va rendre l'antenne. On vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end. Et rendez-vous demain donc pour la demi-finale U19. Ah, ciao, bye bye.